suis Christophe Ravier, je suis professeur à Télécom Saint-Etienne au laboratoire Hubert Curien, où j'étudie les réseaux de neurones profonds pour le texte. Et je suis par ailleurs le directeur du développement et de l'innovation de Télécom Saint-Etienne. Les recherches qui ont conduit au sein de Télécom Saint-Etienne sont labellisées par l'Institut Carnot Télécom et Société Numérique pour la qualité de sa recherche partenariale en lien avec les entreprises. Bonjour, Karine Morin, je suis responsable recherche et innovation pour le groupe Ségula Technologies. Ségula Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement. Avec plus de 10 000 collaborateurs, nous travaillons dans différents secteurs de l'industrie comme l'automobile, le ferroviaire et l'énergie. Je m'appelle Johan Boussy, je suis en test chiffre pour Ségula Technologies au sein du laboratoire Hubert Curien. Donc la thèse CIFRE est un dispositif assez intéressant pour l'entreprise, pour le laboratoire et pour le doctorant qui réalise sa thèse au sein du laboratoire et l'entreprise. L'avantage pour l'entreprise, c'est évidemment de pouvoir construire sa feuille de route de recherche et développement au fur et à mesure de l'année et en collaboration avec un acteur public confirmé sur les thématiques de recherche. Et puis évidemment, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier de l'ANRT qui finance ce dispositif au niveau national. Nous faisons souvent appel à des laboratoires pour creuser des sujets qui sont encore au stade de recherche et qui ne sont pas encore matures pour l'industrie. C'est l'occasion pour nous d'investiguer de nouvelles technologies, de nous les approprier pour plus tard pouvoir les redéployer sur d'autres projets, que ce soit des projets de recherche ou des projets pour nos clients. C'est dans ce cadre-là qu'intervient le partenariat avec le laboratoire Hubert Curien, qui a pris un nouvel essor il y a 2 ans avec le lancement de cette thèse CIFRE. Dans le cadre d'une thèse CIFRE, le doctorant partage son temps entre l'entreprise et le laboratoire. C'est un véritable pont entre le monde académique et le monde privé. Ça lui permet de travailler sur des problématiques appliquées, évidemment, en lien avec l'entreprise, donc ce qui est très motivant pour un jeune futur docteur, mais également d'être entouré de toute une équipe de chercheurs confirmés, académiques, et également d'avoir accès aux équipements au sein du laboratoire. Accueillir un doctorant, c'est l'occasion pour nous également de former un étudiant, de l'accompagner dans son projet de recherche et son projet de professionnel, de lui fournir les outils et les moyens d'un grand groupe et peut-être de l'accompagner plus tard sur un recrutement. Ce qui me plaît plus dans la thèse, c'est l'effet de pouvoir prendre une problématique réelle donc d'un industriel et de pouvoir créer une solution donc adéquate avec cette problématique en utilisant les dernières recherches, les dernières innovations en cours pour proposer, pour solutionner cette problématique. En résumé, une thèse, c'est 3 ans dans le développement d'un projet dans un domaine donc, qui nous plaît et qui va nous permettre de monter en compétences.